Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau petit guide sur Sekiro Shadows Die Twice. On continue la lignée des boss, j'espère que ces vidéos en aident certains. Aujourd'hui, je vous montre Gyobu Masataka, le boss avec la lance et le cheval géant, en mode très très safe. Hein. Je vais juste vous commenter un petit peu comment j'ai fait, ensuite je vous laisse le combat et vous allez voir ça par vous-même. C'est une technique qui est assez lente, mais qui est vraiment vraiment safe. Pour ça, vous aurez besoin d'une compétence indispensable, c'est l'attaque au grappin, d'un peu de patience et d'un peu de mobilité. L'idée, ça consiste vraiment à parer simplement à chaque fois son attaque où il vous fonce dessus et à l'esquiver jusqu'à ce qu'il vous laisse le slot pour pouvoir le grappiner et lui mettre des gros dégâts. Je vous laisse avec le combat, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like si c'est le cas. Allez, on y va! Et Gyobu Masataka Oniwa!